Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Les animaux nocturnes. Peppa et George passent la nuit chez Papy et Mamie Pig. Papy, qu'est-ce que tu fais dehors? C'est l'heure d'aller se coucher, voyons. Ne t'inquiète pas pour moi, Peppa. Je vais simplement aller faire un petit tour dans le jardin pour ramasser des limaces et des escargots. Ah oui, pourquoi? Ton grand-père n'aime pas les limaces ni les escargots parce qu'il s'attaque à ses légumes. Exactement, et le meilleur moment pour les attraper, c'est la nuit à l'aide de cette lampe torche. George et moi, on peut venir avec toi, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais juste pour cette fois. Allez mettre un manteau et des bottes. Peppa et George ont mis leurs bottes et ont gardé leurs pyjamas sous leur manteau. Tiens, Peppa, tu vas prendre le seau et moi, je vais tenir la lampe torche. Ne restez pas dehors trop longtemps, d'accord? D'accord, Mamie Pig. Nous mettrons tous les escargots et les limaces que nous trouverons dans le seau. Ah, et un petit escargot. Et deux petits escargots. Et une grosse limace. Berk, les limaces, c'est vraiment dégoûtant. Voici les poules de Papy Pig. Sarah, Jemina et Vanessa, plus le coq Neville. Coucou les cocottes. C'est l'heure maintenant de rentrer dans votre poulailler. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Bonne nuit. Pourquoi est-ce que les limaces et les escargots ne sont pas couchés, Papy Pig? Parce qu'ils restent éveillés toute la nuit pour manger tous mes légumes. Il y a des animaux qui mangent pendant la journée, comme mes poules par exemple, et il y en a d'autres qui mangent pendant la nuit, comme... Oh, Monsieur Fox! Bonsoir, Papy Pig. Vous avez rentré vos poules, à ce que je vois. Oh oui, elles sont bien au chaud et en sécurité dans leur poulailler. Tant mieux pour elles. Eh bien, je vais devoir vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit! Alors... Comme je vous le disais, il y a des animaux qui mangent pendant la nuit comme... Oh, coucou! Papy, il y a un drôle de petit animal dans ton seau. Oui, ça s'appelle un hérisson. Il adore manger les escargots et les limaces. Coucou, hérisson! Oh, tu as vu? Il s'est roulé en boule. Oui, Peppa. C'est un animal très timide. Allons, allons, monsieur hérisson. N'ayez pas peur. J'aime beaucoup les hérissons. Grâce à eux, les escargots et les limaces ne s'attaquent pas à mes superbes laitues. Au revoir, monsieur hérisson. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres animaux de nuit, Papy Pig? Oui, il y a des phalènes. Oh, ça ressemble à des papillons. C'est vrai. D'ailleurs, on les appelle aussi papillons de nuit. Ils sont attirés par la lumière. Si j'éteins ma lampe, ils s'en vont. Et si je rallume ma lampe, ils reviennent tout de suite. Est-ce que je peux essayer? D'accord. Au revoir, papillon de nuit. Coucou, papillon de nuit. Au revoir, papillon de nuit. Et si on laisse la lampe torche allumée, alors on peut apercevoir un autre animal nocturne tout petit petit. Où ça? Levez les yeux vers le ciel. C'est quoi? Une étoile filante? Non, c'est une luciole. On dirait qu'elle est en feu. Oh, non, Peppa, c'est simplement son ventre qui brille. Waouh! Et est-ce qu'il y a des grands animaux de nuit dans ton jardin, Papy Pig? Non. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est sûrement un grand animal de nuit. Oh! C'est Mamie Pig. Ah, vous voilà. Mamie, mamie, on était en train de faire coucou à tous les animaux de nuit. Formidable. Mais maintenant, il est l'heure de leur souhaiter bonne nuit. Bonne nuit, animaux de nuit. Oh. Quant à vous, mes chéris, vous devriez être couchés depuis longtemps. Oui, Mamie Pig. Bonne nuit, les petits.